Monsieur le Président, nous poursuivons les travaux de la commission d'enquête sur les moyens mobilisés et mobilisables par l'État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe Total Énergie des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France. Nous entendons aujourd'hui M. Rodolphe Saadé, président directeur général de CMA-CMG. Je n'aurai pas l'outrecuidance de vous présenter le président Saadé. Avant de vous laisser la parole pour un propos introductif d'une quinzaine de minutes, si vous le voulez bien, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat. La vidéo sera le cas échéant diffusée sur les réseaux sociaux, puis consultable en vidéo à la demande. Elle fera naturellement l'objet d'un compte-rendu publié. Je me permets de vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14, 15, qui peuvent aller de 3 à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 à 100 000 euros d'amende. Monsieur Saadé, Monsieur le Président, je vous invite maintenant à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « Je le jure ». Je le jure. Simple élément, est-ce que Monsieur Trad va prendre la parole à un moment ou à un autre? Il se peut, oui. Alors, Monsieur Trad, je vous demande la même chose. Est-ce que vous voulez bien prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « Je le jure ». Je le jure. Merci à vous deux. Je vous invite également, alors, tous les deux, à nous préciser si vous détenez des intérêts de toute nature dans le groupe Total Énergie ou chez l'un de ses concurrents dans le secteur de l'énergie, y compris sous forme de prestations de conseil ou de participation à des cénacles financés par les énergéticiens. Monsieur le Président. Total Énergie est un partenaire historique et régulier du groupe CMA-CGM. Nous ne détenons pas de participation dans le groupe Total Énergie. Et Total Énergie fait partie d'une coalition de 19 membres qui cherche à trouver des moyens de pouvoir décarboner le secteur du transport maritime. Merci. Monsieur Trad. Micro. Micro, s'il vous plaît. Pardon. Voilà, Total Énergie est aussi un partenaire historique avec qui je suis en relation dans le cadre de mes fonctions pour l'achat de carburant, qu'il soit fossile ou renouvelable, et dans le cadre de tous les partenariats industriels que nous pouvons avoir avec lui. Et c'est là de même pour des sociétés comme Engie ou d'autres grands énergéticiens, dans la mesure où il faut acheter le carburant pour nos navires. Merci à tous les deux. Bien écoutez, Monsieur le Président, je vous laisse la parole pour votre propos introductif. Vous répondrez ensuite aux questions du Président, du rapporteur et naturellement de l'ensemble des membres de la commission d'enquête. Avec plaisir. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je suis très honoré de m'expliquer devant la représentation nationale à l'occasion de cette commission d'enquête sur les moyens mobilisés et mobilisables par l'État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe Total Énergie des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France. Je tiens néanmoins à souligner que je ne pourrai parler ici qu'au nom du groupe CMA-CGM. Il m'est difficile de commenter les choix stratégiques d'une autre entreprise. Mon intervention portera sur la stratégie de décarbonation du groupe CMA-CGM et la manière avec laquelle Total Énergie, à l'instar d'autres énergéticiens, nous accompagne dans cette transition énergétique. Permettez-moi, dans un premier temps, de vous présenter le groupe CMA-CGM. Nous sommes aujourd'hui un leader mondial de solutions de transport et de logistique. Nous sommes basés à Marseille. Nous sommes un groupe familial français qui emploie 16 500 collaborateurs dans notre pays. Notre cœur de métier est le transport maritime. Nous sommes le troisième opérateur de transport maritime mondial avec une flotte d'environ 650 navires porte-conteneurs. Nous avons également développé une activité logistique et sommes devenus le numéro 5 mondial depuis le rachat de Bolloré Logistique que nous avons finalisé il y a une quinzaine de jours. En tant que leader mondial, nous avons tout d'abord un devoir d'exemplarité. Nous sommes donc fixés des objectifs ambitieux de décarbonation. Atteindre le net zéro carbone à l'horizon 2050 pour l'ensemble des activités du groupe. Nous avons été l'un des premiers de notre secteur à prendre un tel engagement. Et nous l'avons renforcé en décembre dernier lors de la COP28 à Dubaï
à travers une trajectoire volontariste, à savoir atteindre moins 30% d'émissions de CO2 en 2030 et moins 80% en 2040 et bien évidemment zéro en 2050. Pour y parvenir, nous nous appuyons sur trois piliers. Le premier est l'investissement, le deuxième est le mix énergétique et le troisième, la collaboration et les partenariats avec d'autres acteurs industriels. Le premier pilier, c'est l'investissement. Pour notre activité maritime, nous avons d'ores et déjà investi depuis 2017 plus de 15 milliards de dollars dans la décarbonation de notre flotte. Ces investissements ont porté sur la modification de nos navires actuels et en commandant des navires capables d'être propulsés à partir d'énergie décarbonée. Pour notre activité logistique, nous travaillons sur deux axes principaux. Le premier est l'électrification de notre flotte de véhicules. Nous visons un objectif de 1450 unités en 2025 contre 370 aujourd'hui. Et également, l'équipement de nos entrepôts avec des panneaux solaires. Nous couvrons aujourd'hui une surface de 700 000 m² avec l'ambition d'atteindre 2,1 millions de m² en 2025. En parallèle de cela, nous avons aussi décidé de créer notre propre fonds d'investissement du nom de Pulse, doté d'une enveloppe d'1,5 milliard d'euros. Ce fonds vise à accélérer la décarbonation de nos activités et celle du secteur. 460 millions ont déjà été engagés avec des projets tels que HY24, qui a pour objectif de structurer la filière hydrogène française, Flexis, pour concevoir et produire des vannes électriques en partenariat avec Renault et Volvo, ou encore Carbone, qui est un projet de giga-usine photovoltaïque sur le port de Foss. Dans le cadre de ce fonds, nous avons également alloué 200 millions d'euros pour soutenir la décarbonation de la filière maritime française. Nous considérons qu'en tant que leader français, c'est aussi notre responsabilité d'aider l'ensemble de la filière. Ce sera fait en partenariat avec la BPI. Le comité de pilotage sera prêt en avril. Des premiers projets pourront être financés à partir de cette date. Le second pilier repose sur notre stratégie de mix énergétique. Nous ne croyons pas en une seule énergie bas carbone pour l'avenir. Nous sommes convaincus qu'il faudra utiliser un mix de différentes solutions. Nous avons été le premier à faire le choix du gaz naturel liquéfié, GNL, comme énergie de transition pour limiter les émissions de polluants atmosphériques et réduire jusqu'à 20% nos émissions de CO2. Aujourd'hui, nous avons 35 navires fonctionnant au gaz naturel liquéfié. En 2024, ce chiffre va presque doubler avec 20 nouvelles entrées en flotte à partir de 2024. Ces mêmes navires pourront aussi fonctionner au biométhane et à l'e-méthane. Nous avons également 24 navires propulsés au méthanol qui sont en commande, dont les premiers seront livrés dès la fin 2025. En 2028, ce sera 119 navires capables d'être propulsés à partir d'énergie décarbonée, soit 20% de la flotte totale du groupe CMA-CGM. Nous étudions en parallèle d'autres solutions de plus long terme, les piles à hydrogène, l'ammoniac, la captation et le stockage de carbone directement à bord du navire, même si ces solutions prendront un peu plus de temps pour être applicables à un usage industriel. Le troisième pilier est notre stratégie de collaboration et de partenariat. Notre trajectoire de décarbonation est extrêmement liée aux solutions énergétiques existantes. Et pour cela, nous avons besoin des généticiens comme Total Energy. Leur expertise technique et leur capacité à proposer des quantités suffisantes de carburant alternatif à un prix compétitif et déterminant. Pour vous donner un ordre de grandeur, nous avons acheté un peu plus de 500 000 tonnes de carburant alternatif en 2023. En 2030, nous aurons besoin de près de 3 millions de tonnes pour tenir nos engagements. Nous avons donc conclu un partenariat avec Total Energy qui illustre bien la stratégie de mix énergétique que je vous ai décrite. Depuis 2017, il prévoit la mise en place d'une infrastructure de soutage de GNL pour nos navires en déployant une barge à Foss-sur-Mer, à Rotterdam et plus récemment
à Singapour. Cela a permis de mettre en place une filière dédiée à cette énergie pour l'ensemble de notre secteur. Notre partenariat avec Total Energy s'est ensuite logiquement étendu au biométhane. Nous avons conclu ce même type d'accord avec d'autres acteurs tels que Shell pour du GNL, du biométhane et de l'iméthane, ainsi qu'avec Engie pour du biométhane. Enfin, Total Energy est avec CMA-CGM l'un des membres fondateurs de la coalition New Energies. Cette coalition réunit 19 acteurs clés de la supply chain pour avancer sur les sujets de décarbonation du transport et de la logistique. Parmi les projets pilotes sur lesquels nous travaillons conjointement avec Total Energy, il y a des expérimentations sur un nouveau biocarburant produit à partir de déchets de bois pour le transport maritime ou encore un prototype de capteur carbone embarqué à bord des navires. Avant de conclure, permettez-moi, mesdames et messieurs les sénateurs, de vous faire part des principales difficultés que nous rencontrons et qui nécessitent le soutien des autorités publiques pour nous aider à accélérer la décarbonation de notre secteur. La première difficulté à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est l'absence de règles équitables pour tous. Dans la course à la décarbonation, il n'existe pas d'incitation à faire partie des pionniers. Pour CMA-CGM, il y a donc le risque de perdre un avantage compétitif vis-à-vis de nos concurrents qui ne font pas les mêmes efforts. La seconde difficulté est la disponibilité des carburants décarbonés tout d'abord. Nous anticipons une compétition entre les différents secteurs pour avoir accès à ces carburants verts en quantité suffisante. Enfin, la troisième difficulté est le prix. Car ces carburants, dont le surcoût est aujourd'hui uniquement porté par les compagnies maritimes, est très élevé. Les États, eux aussi, doivent s'engager à nos côtés. À cet égard, je souhaiterais partager avec vous trois besoins. La France dispose d'un siège à l'OMI qui doit défendre les règles du jeu équitable à l'international. Cela suppose un cadre global incitatif applicable à tous les acteurs. Aujourd'hui, l'Europe réglemente et taxe le carbone, ce n'est pas le cas ailleurs dans le monde. Il faudrait un mécanisme de bonus pour les énergies alternatives applicable à l'échelle internationale afin de créer les conditions économiques nécessaires à l'accélération de leur utilisation. La filière maritime a besoin de cette visibilité pour continuer à investir dans la transition énergétique. Et comme je le disais en début de ma présentation, le groupe CMA-CGM a investi depuis 2017 plus de 15 milliards de dollars dans une flotte de navires propulsés aux énergies vertes. Nous devons également contribuer collectivement à faire émerger les filières dont nous avons besoin pour nous décarboner. Cela passe par des subventions au niveau national, mais aussi au niveau européen. Quand je vois par exemple que l'Innovation Fund européen n'a pas décidé de financer que deux projets en France, je me dis que l'Europe doit pouvoir faire mieux. Donc, par rapport à ce type d'initiative, nous avons également lancé une initiative avec Engie pour développer un centre de production d'iméthane au Havre, que nous finançons en très grande partie Engie et nous-mêmes, et nous souhaitions obtenir une aide du Fonds européen d'innovation, et malheureusement, notre demande a été rejetée. Enfin, il faut que les ports français deviennent de véritables hubs énergétiques verts. Ils doivent, par exemple, être en capacité de pouvoir importer des carburants décarbonés si nous n'en produisons pas suffisamment sur notre sol. Comme ils l'ont fait avec les énergies fossiles, les ports doivent jouer un rôle déterminant au service de la transition énergétique. En conclusion, CMA-CGM a été pionnier sur les sujets de décarbonation de son activité. Il l'a fait en s'appuyant sur le savoir-faire d'autres partenaires, que ce soit Total Energy ou d'autres grands groupes internationaux. Et nous sommes prêts à aller encore plus loin. C'est ce que nous avons commencé à faire en décembre dernier, lors de la COP28 à Dubaï. En étroite collaboration avec la diplomatie française, nous avons réussi à former une coalition réunissant 5 grands armateurs européens, le groupe CMA-CGM, Maersk, le Danois, MSC, l'Italo-Suisse, Hapag-Lloyd, l'Allemand, et Wallenius Wilhelmsen, et 3 pays,
la France, le Danemark et la Corée du Sud pour appeler notre secteur à prendre des engagements lui permettant d'accélérer la décarbonation. Cette démarche réunissant États et compagnies maritimes était inédite. Je crois que c'est le bon chemin. Maintenant, il faut qu'on arrive à mettre en place des exemples concrets suite à cette belle annonce. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré et reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je suis assez sensible, à vrai dire, à cette intervention parce que elle est à la fois pragmatique, réaliste et elle donne des pistes. Elle envisage des dispositifs un peu différents. Monsieur le Président, vous avez évoqué deux sujets, mais sur lesquels, en réalité, on tourne depuis le début des auditions. Un, la décision, le contrôle, le cadre international, et pas seulement français, voire pas seulement français ou européen. Comment faire pour que les entreprises françaises qui veulent faire de la décarbonation ne soient pas contraintes par rapport aux entreprises chinoises, russes ou autres, qui, elles, ne seraient pas soumises aux mêmes règles. Comment ? Parce que vous dites, nous avons un siège permanent à l'OMI, mais est-ce que réellement, vous pensez qu'on peut avancer au niveau mondial pour avoir un cadre commun à toutes les entreprises, pour qu'il y ait un équilibre de concurrence et pas une distorsion ? Et deuxième question, et j'arrêterai là, vous êtes, par définition, vous l'avez dit, en lien avec Total Energy, avec Engie, avec tous les énergéticiens. Est-ce que, au-delà de ce qui se passe pour votre entreprise, est-ce que vous avez le sentiment que cela, que ce soit d'ailleurs Total Energy ou Engie, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils vont dans le même sens que vous ? C'est-à-dire, est-ce que réellement vous les sentez très engagés dans la décarbonation ou est-ce que vraiment il faut les solliciter pour que les choses bougent ? Merci pour votre question. Peut-être le premier commentaire que je ferai, c'est qu'aujourd'hui, les plus grandes compagnies maritimes au monde, les quatre premières sont européennes. Le premier est l'Italo-Suisse MSC, le deuxième est le Danois Maersk, le troisième c'est le groupe CMA-CGM, le quatrième est un groupe allemand. Donc aujourd'hui, l'Europe a une carte importante à jouer. Il n'y a pas de compagnie maritime américaine, il n'y a pas de compagnie maritime anglaise, et vous avez des opérateurs asiatiques. Le numéro 5 est chinois. Donc aujourd'hui, l'Europe a un rôle majeur à jouer et les quatre compagnies maritimes pèsent plus de 50% de part de marché. Donc on a un rôle à jouer en tant qu'Européens. Maintenant, ce qu'il faudrait, et la coalition ou l'initiative qu'on a mise en place lors de la COP28 au mois de décembre dernier, montre que si on arrive à travailler ensemble et en bonne intelligence, on est capable de faire beaucoup de choses. Concernant Total Energy et Engie, je pense que oui, ils sont engagés à trouver des solutions. La difficulté que nous rencontrons dans notre secteur, c'est que le carburant vert coûte cher. Et il faut réfléchir à comment trouver le carburant le plus vert possible, mais qui soit aussi économique. Parce qu'à la fin, nous, on ne peut pas supporter le coût de ces énergies vertes seul. Il faut qu'on les partage avec nos clients. Mais les engagements de Total Energy, d'Engie, voire d'autres grands groupes internationaux, est réel. Très bien, merci pour ces réponses. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Directeur Général. Effectivement, c'est un sujet important. Le transport est aujourd'hui le secteur qui ne parvient pas à réduire ses émissions de gaz à effet de serre dans son ensemble. C'est le principal secteur qui utilise encore du pétrole. Et donc, effectivement, c'est un sujet très lourd. Le transport maritime, c'est 3% des émissions. Mais on sait que probablement, ça va beaucoup croître. Vous avez mis l'accent, Monsieur le Président, Directeur Général, notamment sur l'évolution des carburants, des énergies que vous utilisez. Et j'ai parfois été confus sur les termes que vous employez. Vous avez commencé en parlant du GNL, y compris
pour vos navires, sur la décarbonation, les énergies bas carbone. Vous avez dit que vous aviez près de bientôt 119 navires qui tourneraient avec des énergies vertes. Le GNL, ça n'est ni une énergie renouvelable, ni une énergie verte. Et on a eu beaucoup d'interventions dans cette commission d'enquête, que ce soit depuis Madame Masson-Delmotte, qui est quand même là, peut-être aujourd'hui la plus grande climatologue française, et des experts du pétrole, que ce soit Jean Covici sur les énergies, qui nous ont quand même expliqué que le GNL était probablement une énergie dont on sous-estimait énormément son impact climatique. Je prends encore le rapport produit hier par l'Agence internationale de l'énergie, qui dit qu'on a totalement explosé au niveau mondial les émissions de méthane liées aux énergies fossiles. Donc j'aimerais que vous clarifiez, si vous le voulez bien, au fond, comment vous intégrez ce potentiel polluant et très émetteur du GNL dans votre flotte. Et vous avez mentionné, et c'est une très belle initiative, ce que vous avez fait à Dubaï, votre initiative sur l'alliance entre les armateurs et les énergéticiens. Mais vous êtes aussi, me semble-t-il, partie prenante de la coalition MAMI, qui justement vise à réduire les fuites de méthane et les émissions de méthane liées notamment au transport maritime. Donc est-ce que vous pouvez, si vous le voulez bien, clarifier comment vous considérez le GNL, comment vous intégrez le fait que, y compris encore une fois dans un rapport de l'Agence internationale de l'énergie hier, c'est considéré comme une énergie qui est beaucoup plus polluante et certainement pas renouvelable. Merci. Monsieur le Président, je suis d'accord avec ce que vous dites. Est-ce que le GNL est l'énergie d'aujourd'hui et de demain? Probablement que non. Et le GNL ne permet que de réduire nos émissions de CO2 de 20%. Et en parallèle, comme vous le disiez, il y a un sujet avec le méthane slip. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'on attende que quelqu'un décide quelle va être l'énergie de demain? Et cela peut prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ou on prend des initiatives qui sont financées par nous-mêmes, d'aller chercher une énergie qui peut assurer la transition le temps qu'on trouve une énergie meilleure. Donc, les navires au méthanol. On a commandé des navires au méthanol qui nous permettront en 2025, quand les navires sortiront de chantier, et si on arrive à trouver du méthanol en quantité suffisante, nous permettrons de réduire nos émissions de CO2 de manière beaucoup plus conséquente. Mais aujourd'hui, la seule solution que nous, transporteurs maritimes, avons trouvée, c'est le GNL. Il y a mieux, certainement. Qu'est-ce qu'on fait? Comme je reviens sur mon propos, on attend. Moi, ça me coûte de l'argent, le GNL. Un bateau au GNL coûte beaucoup plus cher qu'un bateau propulsé au fuel conventionnel. Certains de mes concurrents ont décidé d'attendre, en disant, nous, on attend que quelqu'un décide pour nous. Ce n'est pas le style de CMA-CGM. Donc, c'est pour ça que, oui, ce n'est pas une solution définitive. Oui, elle ne permet pas de régler la question. Mais en même temps, réduire de 15 à 20% nos émissions de CO2, c'est un bon début. Nous, ce qu'on souhaiterait à un moment donné, c'est qu'avec les autorités, avec les grands énergéticiens, qu'on essaye d'aller vers une seule et unique énergie. Mais aujourd'hui, on ne l'a pas trouvée. Donc, on tâtonne un peu, désolé pour le terme, on regarde le GNL, on regarde le méthanol, on regarde le méthane, on a des initiatives dans la R&D sur l'ammoniac, sur l'hydrogène. Peut-être qu'à un moment donné, l'Europe devrait dire, écoutez, les compagnies maritimes, voilà votre ambition, il faut que vous alliez avec cette énergie-là. Pour l'instant, l'Europe taxe, mais ne propose pas de solution. Très bien, j'ai plusieurs demandes d'intervention. N'hésitez pas à vous inscrire au fur et à mesure. Monsieur Tissot. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Directeur Général, pour vos propos liminaires qui... comme ça avait été le cas en 2022, quand on vous avait auditionné dans le cadre de la commission d'enquête, commission des affaires économiques, pas commission d'enquête, rappelez-vous, vous aviez été très clair sur votre stratégie de développement de votre entreprise. Et finalement,
J'ai l'impression de vous réentendre. J'avais repris vos propos et en fait, c'est presque rassurant à la limite. Hein. Vous nous aviez déjà dit J'espère ça. Et voilà. Alors, je vais en complément de ce que la question que vous a posée le rapporteur, moi, j'aurais une question à propos du GNL aussi, mais assez simple finalement. Oui, simple. Avez-vous une visibilité sur l'origine du GNL qui est consommé par vos navires? Est-ce un point qui entre dans votre stratégie ESG, critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, voire même dans le cadre du devoir de vigilance? La question est tout aussi simple. Monsieur le Président. Peut-être, si vous permettez, Monsieur le Président, je vais laisser là, si tu peux expliquer la composition du GNL. Oui, donc en fait, bonjour, mesdames, messieurs les sénateurs. Donc il y a deux questions dans ce que vous avez exprimé. La première, c'est l'origine du GNL qui nous est servi aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le GNL est servi à Rotterdam et à Fos par Total, par exemple, mais par d'autres énergéticiens. Il est principalement dans les terminaux de liquéfaction, que ce soit de Fos ou de Gate. Donc aujourd'hui, à la question, est-ce qu'on est capable de tracer la molécule exacte dans le... Ça, c'est une question difficile parce que tout est mélangé dans ce terminal. La manière dont nous abordons le sujet de l'origine du GNL, c'est qu'on a des contrats extrêmement précis avec des clauses de conformité sur les réglementations internationales, sur les sanctions, le régime des sanctions qu'on suit avec la plus grande rigueur. Et c'est dans cette manière-là qu'on s'assure effectivement que l'origine du GNL est conforme et aux dispositifs européens et internationaux. Donc ça, c'est la première chose. Concernant le GNL et le devoir de vigilance, bien entendu qu'on suit de très près les grandes entreprises et qu'on se pose des questions pour savoir effectivement si ces entreprises sont éligibles, certainement. Après, pour ce qui est des émissions, et là je voudrais revenir sur la notion du méthane slip. Aujourd'hui, il y a une notion fondamentale dans la manière dont on approche nos émissions, c'est le principe de l'analyse de cycle de vie, qui consiste un peu à mesurer les émissions de la production jusqu'à la combustion du navire. Et donc, dans le cadre de cette analyse de cycle de vie, il est évident qu'on tient compte des fuites, des émissions fugitives, comme on les appelle, afin de s'assurer que dans nos efforts de décarbonation, on puisse aussi les compenser. Donc aujourd'hui, bien sûr, comme l'a dit Monsieur le Président général, le directeur général l'a dit, les fuites de méthane, on en a conscience, on y consacre des ressources conséquentes au niveau R&D et avec nos motoristes, par exemple. Et on s'assure par ailleurs que dans nos efforts de décarbonation, on en tient compte pour arriver aux objectifs et aux ambitions de décarbonation du groupe. J'espère que ça clarifie. Si vous me permettez juste une petite relance. Donc, vous ne distinguez pas le GNL, par exemple, qui provient du gaz de schiste? Alors, aujourd'hui, Alors aujourd'hui, dans la manière dont on analyse nos émissions fugitives, effectivement, on tient compte des standards internationaux sur lesquels on doit s'appuyer. Nous ne sommes pas un énergéticien pour être dans la manière de mesurer exactement l'origine. En revanche, il y a un point qui est très important, qui est la notion de substitution. Aujourd'hui, le GNL est une énergie de transition, donc elle a vocation à terme à se substituer un pour un, puisque c'est exactement la même molécule, par du biométhane et plus tard des méthanes de synthèse. Ceux-ci vont avoir évidemment des productions beaucoup plus vertueuses que le gaz de schiste et viendront à terme se substituer à celui-ci. Donc aujourd'hui, regardez la problématique du gaz de schiste, regardez une problématique qui est une réalité aujourd'hui dans le monde, mais qui n'est pas le futur vers lequel on tend. Donc aujourd'hui, la manière dont on voit le futur de cette flotte-là, c'est comme l'a dit Monsieur le Président directeur général, les énergies alternatives et les énergies vertes de demain. Et donc là, on y trouve énormément de vertus, parce que avec la même infrastructure, la même compétitivité des ports, comme celui de Fos par exemple, on sera capable de substituer le GNL qui est fossile par du biométhane qui lui est plus vertueux et plus tard du e-méthane. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où l'on pourra se décarboner de la meilleure manière possible avec cette flotte-là. Merci. Je suis sûr que le rapporteur est rassuré pour le restant de nos auditions. La parole est à Monsieur Barros. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président, directeur général, pour la clarté de vos propos. Et bon, moi, j'ai pas eu la chance d'assister à d'autres rendez-vous et je trouve que c'est instructif sur la question. Enfin, vous posez clairement les choses.
Et je trouve que les trois axes sur le cadre général, incitatif à l'échelle internationale pour avoir une visibilité, je pense quand on est industriel ou commerçant ou marchand, c'est extrêmement important. On l'a vu avec les agriculteurs d'ailleurs récemment, mais pas seulement. La question de la filière soutien à des carburants verts, évidemment vous êtes utilisateur, mais vous êtes aussi forcément en tant qu'utilisateur massif, incitatif sur des nouvelles façons de créer des nouveaux carburants. Et puis, quelque chose qui est tout à fait... c'est l'histoire de la marine marchande. En fait, les ports, en effet, sont des hubs. De toute façon, c'est un endroit où on charge, on décharge, on fait son plein, quel que soit d'ailleurs le type de besoin dont on dispose. La marine marchande, qui est passée d'ailleurs à une époque de la marine à voile à autre chose, quand on a changé d'énergie pour faire... mouvoir les bateaux, a forcément à chaque fois a changé la taille des bateaux, la forme des bateaux et a évolué en fait l'énergie, la force motrice a modifié le type de transport tel qu'il était présent précédemment. Et est-ce que vous pensez que le changement d'énergie, parce qu'on plaide pour ça, enfin on ne va pas avoir le choix, qu'on passe du pétrole au biométhane ou à autre chose, va-t-il changer les tonnages transportés? Va-t-il modifier ou imposer peut-être une autre façon de ou contraindre les transports tels que l'on connaît jusqu'à présent? Peut-être qu'on va vers une modification majeure de la marine marchande du fait du changement de carburant. Moi, j'aimerais bien qu'on... Enfin, vous l'avez un peu esquissé, mais quel est l'avenir de la marine marchande au regard du besoin de changement de carburant? Est-ce que ça va peut-être aussi être une modification des flux? On parle aussi de rapprochement entre la production et puis le consommateur. On est sur des choses peut-être très, très générales, mais en effet, les bateaux ont évolué avec les modes de propulsion. Est-ce qu'on va vers un changement de cet ordre avec la fin du pétrole lourd pour les moteurs jusqu'à présent utilisés? La taille des navires a évolué avec la croissance mondiale. Plus la croissance s'est développée, plus la taille des bateaux a augmenté, et notamment en provenance d'Asie, à destination de l'Europe, des États-Unis et d'autres endroits dans le monde. Ça a été le modèle pendant de nombreuses années. Je pense que la mondialisation va évoluer, que l'aspect climat va jouer un rôle important. Et on ne peut plus continuer à faire du transport maritime sans se soucier des énergies qu'on brûle. Et donc, CMA-CGM a mis en place des initiatives, pour certaines de transition, pour d'autres sur le long terme, mais ça va prendre du temps à les mettre en place. Et sur la partie mondialisation, on entend beaucoup de choses. Moi, je pense qu'au-delà de la partie climatique, je pense que les trafics régionaux vont continuer à se développer. L'intra-Europe, l'intra-Asie, l'intra-Amérique, et peut-être qu'on va être un peu moins dépendant de l'Asie sur certaines commodités. Au-delà de cela, nous avons également participé à une initiative qui s'appelle Neoline, qui sont des navires propulsés à la voile et qui vont relier des ports français aux ports américains de la côte Est. Il y a quelques années, je vous aurais dit, c'est quoi cette histoire? Aujourd'hui, je comprends la difficulté de ce type d'initiative, c'est que ça coûte beaucoup plus cher et ça prend beaucoup plus de temps. Parce que partir du Havre à destination de New York à la voile, ça met plus de temps que par un navire porte-conteneur. Mais de l'autre côté, ça vous permet d'être pratiquement à zéro CO2 de consommer. Mais est-ce que le client est prêt à attendre et est-ce qu'il est prêt à payer plus cher? On tourne toujours au même sujet. Est-ce qu'il est prêt à payer plus cher? Nous, on investit massivement, mais on ne peut pas être les seuls à investir. Merci. Marie-Claire Carrère. Merci beaucoup. Oui, c'était justement le sens de ma question. Comment arriver à une meilleure répartition des coûts liés au tâtonnement, à l'expérimentation, à l'innovation, pour pas qu'ils soient concentrés uniquement sur votre métier, enfin vous et les autres. D'un certain point de vue, il me semble que
puisque les plus grands sont européens, ça pourrait être plus facile dans un cadre européen de se mettre d'accord sur une meilleure répartition des coûts. Vous voyez ça comment ? Est-ce que c'est des systèmes de taxation différenciés, des conditions de financement, des subventions ? Vous voyez les choses comment ? C'est la première question. Deux, Innovation Fund, vous avez votre projet avec Engie, il a été retoqué pour quelle raison ? Est-ce que c'est un manque de financement ou autre raison ? Et trois, quelle est votre appréciation du niveau d'équipement des infrastructures portuaires françaises et européennes, d'ailleurs, du point de vue de cette transition énergétique ? Merci. Merci, Monsieur le Président. Sur peut-être, je commencerai par votre question sur Engie. Le projet a été retoqué, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Donc, OK, mais on va retourner voir la direction du fonds pour leur reproposer notre initiative et voir s'ils changeraient éventuellement d'avis. La difficulté, c'est que le projet est arrêté maintenant. Donc, tant qu'on n'a pas... Ce n'est pas pour une histoire d'argent uniquement, mais c'est le principe. Si l'Europe ne vient pas aider, je ne vais pas aller demander à la Chine d'aider un projet de décarbonation en France. Et ils seraient capables de nous donner un coup de main. Concernant les infrastructures françaises et européennes, je pense que les terminaux et les ports français sont bien équipés. Par exemple, le partenariat que nous avons avec Total Energy. Total Energy nous fournit du GNL, donc ils mettent une barge à notre disposition à Fos, mais également à Rotterdam. Et à partir de ces deux endroits, nos navires au GNL arrivent à se fournir en capacité suffisante de gaz naturel liquéfié. Donc les ports français et les ports européens sont équipés pour ce type d'énergie. Si c'était des énergies type nucléaire, hydrogène ou ammoniaque, ce serait une autre histoire. Mais aujourd'hui, par rapport aux énergies qu'on utilise, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. Et sur une meilleure sur la répartition première. Des coûts liés à la transition, enfin l'expérimentation sur l'initiative, il y a quelques années, les compagnies maritimes travaillaient seules en disant c'est un argument de vente, donc on va travailler tout seul, comme ça on va pouvoir proposer notre propre solution. Aujourd'hui, on réalise que les investissements en R&D sont tellement importants qu'on a tout intérêt à être à plusieurs, et d'où l'initiative qui a été annoncée lors de la COP28 à Dubaï à la fin de l'année avec d'autres armateurs. Bon, c'est pas parce qu'on l'a annoncé que ça va nécessairement se mettre en place tout de suite, parce qu'on aime bien travailler aussi un peu tout seul les uns et les autres. Donc il faut qu'on arrive à casser un peu la glace et faire en sorte que des initiatives ensemble puissent être mises en place. Parce que c'est vrai que si à 4-5 on réfléchit à la décarbonation de demain, ça nous aiderait beaucoup et ça nous permet de réduire le coût de production. Notre difficulté, c'est qu'aucune autorité aujourd'hui n'a dit clairement quelle était l'énergie qu'il fallait utiliser. Et tant que personne ne le dit, on va continuer à tâtonner. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Directeur Général, merci pour cette audition et puis celle de l'année dernière à laquelle faisait référence notre collègue. Merci aussi pour l'accueil que vous nous avez réservé à une délégation de la Commission des affaires économiques il y a un an et demi maintenant à Los Angeles, où on a pu être sur vos installations et votre port, sur lequel on a été assez impressionnés d'abord par la taille des installations, mais aussi par la volonté qui était la vôtre de faire de la transition énergétique sur le port lui-même et sur les installations, les véhicules qui représentent, je pense, une partie non nulle des gaz à effet de serre et puis des particules. Moi, juste, alors pardon de vous poser cette question-là, parce qu'on est dans une commission d'enquête totale, et là, je vais vous poser une question sur votre groupe. Donc, ça, je voudrais juste, pour que chacun ait en tête l'effort, en fait, qui est nécessaire par tous les armateurs, savoir le coût d'un navire. Ça coûte combien ? Vous en avez, je crois, 650. Aujourd'hui, quand vous en changez un navire neuf qui marche au GNL et qui marchera au biométhane, voilà, c'est quel investissement ? Et puis, on voit dans votre volonté de décarboner des efforts qui sont
a priori substantielle. Est-ce que vous avez mesuré l'impact que ça a eu sur vos propres émissions? C'est quoi le résultat, en fait, de vos premiers investissements qui se chiffrent en milliards? Et par rapport à Total, pour revenir sur l'objet de notre commission d'enquête, vous avez parlé des efforts qui sont faits, notamment sur le biométhane, pour essayer de tracer. Est-ce que vous pensez que ces efforts-là, ils sont faits par Total de façon un peu générale dans le monde, ou alors focalisés sur l'Europe, focalisés sur la France particulièrement, sur les armateurs européens, ou est-ce que vous sentez Total, j'allais dire, allant sur l'ensemble du globe, là où ils opèrent partout. Et puis, dernière question qui a trait plutôt à l'ensemble de l'activité de transport maritime. Vous nous avez dit que les cinq armateurs français, enfin les cinq transporteurs principaux leaders étaient européens. Le cinquième pourrait être chinois, pardon. Les quatre premiers représentent à peu près 50% du trafic. Du coup, je m'intéresse aux 50 autres pourcents. Est-ce que vous pensez que ces 50 autres pourcents ont des capacités d'investissement pour gérer une transition et une volonté d'investissement pour gérer la transition qui soit aussi forte que ces quatre premiers? Monsieur le Président. La première question, le coût d'un navire, tout dépend de sa taille. Si on prend un grand navire de 400 mètres de long qui peut transporter 24 000 conteneurs entre la Chine et l'Europe, on est sur un coût de 250 millions de dollars par bateau. Pour pouvoir opérer dans le domaine du transport maritime, on offre une fréquence tous les 7 jours. Tous les 7 jours, vous avez un départ de Shanghai ou un départ du Havre. Et donc, il nous faut au minimum 13 navires. Et donc, si on fait le compte, 13 navires fois 250 millions, ça fait beaucoup d'argent. Si je rajoute à ça la crise en mer Rouge et le fait qu'on soit obligé de passer par le cap de Bonne-Espérance, il faut rajouter 2 semaines de plus. Donc, ça coûte cher. Ensuite, vous avez des bateaux de plus petite taille qui coûtent évidemment moins cher. Mais pour vous donner un ordre d'idée, c'est 250 millions par bateau et comme il en faut 13... on est à plus d'un milliard. Concernant les émissions de CO2, peut-être, Monsieur le Président, si vous le permettez, si Farid, tu peux donner quelques chiffres sur nos réductions de CO2 entre 2023 et 2022, où on a réduit nos émissions de CO2 d'un million. Bien sûr. En 2022, en 2023, nous aurons 29 millions de tonnes émises sur la partie maritime, ce qui correspond à 1 million de tonnes de moins qu'en 2022. Donc on a vraiment un effort qui est assez conséquent. Et l'idée, l'ambition du groupe, c'est effectivement en 2024, sans prise en compte de l'effet mer Rouge, qui est un impondérable, l'idée aussi c'est de réduire de entre 700 et 900 000 tonnes les émissions sur l'année suivante. Donc aujourd'hui, de manière très concrète, que ce soit en valeur absolue ou par unité transportée, aujourd'hui on est sur une trajectoire de réduction de nos émissions. Concernant les autres 50%, les autres 50% sont des opérateurs asiatiques. Et comme je le disais dans mon propos, toutes les géographies du monde n'imposent pas les mêmes réglementations. Et donc, il y a le terme anglais qui dit on n'est pas dans le même same level playing field. Vous avez certains pays qui imposent une réglementation. L'Europe, depuis janvier 2024, impose une taxe. Ça n'existe pas en Asie. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les opérateurs intra-asiatiques, qui sont importants, eux ne sont pas taxés de la même manière que nous. À la question, est-ce qu'ils sont aussi conscients des problématiques climatiques? Certainement. Mais tant que ça ne leur coûte pas, ils ne bougeront pas. Concernant Total Energy, on a des partenariats avec eux dans des pays où ils sont présents. Par exemple, le partenariat où ils nous fournissent du GNL, à Fos ou à Rotterdam, ça se passe très bien, on n'a pas de difficultés particulières avec eux. Il y a juste une discussion de prix, et vous vous imaginez que c'est des discussions qui peuvent être amusantes, mais c'est tout. Mais par rapport à la question de Mme Prima, est-ce que vous pensez que, justement, les opérateurs asiatiques ou autres, qui par définition, s'ils ne sont pas dans les quatre premiers, sont de dimension, de taille beaucoup plus réduite que la vôtre, est-ce que eux ont financièrement, matériellement,
la capacité de faire de la transition énergétique, ou bien ce sont des unités tellement petites que elles sont pas très touchées au-delà de la législation. Est-ce qu'il faut pas aussi une certaine taille pour engager la transition? Le cinquième opérateur est chinois, et peut-être je vais vous surprendre, mais la Chine est très au fait des problématiques liées à l'environnement et à la réduction des émissions de CO2. Et donc Cosco, qui est le nom de cet armateur chinois, a investi dans une flotte de navires au méthanol. Et ils se sont déjà engagés à acheter du méthanol à des fournisseurs chinois. Donc la Chine fait très attention à ces problématiques-là. Vous avez un armateur taïwanais qui lui suivra. Et le reste, ils sont beaucoup plus petits et donc n'ont pas les mêmes besoins en grands navires que nous-mêmes. Mais Cosco, qui est le chinois, fait très attention à ces problématiques-là. Et le gouvernement chinois investit massivement dans la décarbonation du secteur du transport maritime. Monsieur Vessousfort. Oui, monsieur le Président, j'ai beaucoup apprécié dans votre intervention votre pragmatisme. Et à la fois, quand je regarde les objectifs qui sont les vôtres, d'être en une décarbonation quasi totale en 2050, je me demande si vous faites preuve de pragmatisme, puisque vous avez aussi évoqué le fait que l'énergie décarbonée n'existe pas vraiment pour le transport maritime et qu'elle aura un coût qui sera extrêmement important. Donc est-ce que vous croyez encore possible d'atteindre ces objectifs de décarbonation ? Si je vous posais la question autrement, si j'avais dit « j'y arriverai pas en 2050 » et ce n'est pas mon problème, c'est celui des autres, vous m'auriez posé la question différemment. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, il faut qu'on fasse de notre mieux. Moi, je souhaiterais qu'il y ait une réglementation qui nous impose une énergie plutôt que d'avoir à tâtonner. 2050, extrêmement ambitieux. Est-ce qu'on va y arriver en 2050? On verra. Mais en tout cas, on va tout faire pour. On n'a pas nécessairement les moyens, mais on a la volonté. Avant que je redonne la parole au rapporteur, pas d'autres interventions, d'autres demandes? Monsieur le rapporteur. Oui, incontestablement, vous avez de l'ambition en matière de décarbonation. Bon, il y a quand même un cadre européen. Vous ne pouvez pas non plus faire totalement ce que vous voulez. Après des années de lutte au niveau européen, on a réussi à mettre le transport maritime dans le marché carbone et y compris les entreprises non européennes qui viennent dans les ports européens aujourd'hui sont soumises à ce marché carbone. Donc l'Europe avance peut-être pas aussi vite qu'on pourrait le souhaiter, mais avance néanmoins. Et moi, j'entends votre argument sur les énergies, mais reconnaissez que les États membres, dont la France, sont le plus souvent les grands consommateurs d'énergie, sont les premiers à exclure l'orientation technologique dans les recommandations ou dans les règles de la Commission européenne. La revendication des grands secteurs économiques comme des États membres, c'est la neutralité technologique. C'est de dire, vous fixez des objectifs de réduction de CO2, mais ne nous demandez pas n'exigez pas de choisir la technologie. Donc, quelque part, votre message est un peu, particulier dans le débat européen sur les technologies. Et puis, un dernier point, vous avez racheté une partie des infrastructures Bolloré. Comment vous vous situez sur les ports, notamment en Afrique? Il y a un port en Tanzanie qui va exporter la production de Total. Ça a été racheté par MSC. Est-ce que c'est un choix de ne pas vous être porté candidat sur le port tanzanien qui va exporter les hydrocarbures produits par Total en Ouganda et en Tanzanie? Monsieur le Président. Pour la première question, je reconnais que l'Europe, grâce à la taxe au tonnage, permet aux armateurs européens d'investir massivement dans la décarbonation du secteur du transport maritime. Ça, on le met en place. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est avoir un peu plus de clarté sur quelle énergie doit être choisie pour qu'on puisse continuer à avancer. Parce qu'aujourd'hui, on a différentes possibilités. Chaque initiative coûte beaucoup d'argent et au final, il se peut qu'on ne la retienne pas.
idéalement, c'est où, dans le cadre des partenariats qu'on a noués avec d'autres compagnies maritimes, on essaye de choisir une ou deux, ou de sélectionner une ou deux énergies, et à partir de là, on construit des bateaux en conséquence, ou alors c'est les autorités. En attendant qu'une décision soit prise, on préfère, nous, continuer à avancer avec des navires propulsés au méthanol, ou alors au GNL, qui donne la possibilité, dans quelques années, de pouvoir aussi utiliser du méthane et de l'iméthane. Concernant votre deuxième question sur l'Afrique, nous avons acheté Bolloré Logistique, qui n'est pas présent dans le cadre de l'acquisition de cette société en Afrique. Nous, on achète des infrastructures logistiques, des entrepôts, on achète également du transit, mais pas d'infrastructures en Afrique. En Tanzanie, il se peut qu'on regarde à un moment donné à investir dans un terminal à porte-conteneurs dans ce pays qui est en développement, au même titre qu'on regardera le Kenya. On a déjà investi au Nigeria ou au Cameroun. Mais toute la partie terminaux de Bolloré a été rachetée par MSC et pas par nous. Très bien. Pas d'autres questions. Monsieur le Président, Directeur Général, merci infiniment de cette audition qui a été probablement l'une des plus passionnantes que nous ayons eues depuis le début de cette commission d'enquête. Merci infiniment. Merci.
Allez, mes chers collègues, nous reprenons. Nous poursuivons donc les travaux de la commission d'enquête sur les moyens mobilisés et mobilisables par l'État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe Total Énergie.